J'ai trouvé ça pour boire mon muesli. Genre, c'est de base un tupperware, je sais pas trop à quoi ça sert. Du coup, j'ai trouvé ça, donc j'en ai mis un pour Prince, pour son eau, et bah, un pour moi, pour l'instant. Donc heureusement, j'avais ramené du muesli, mon muesli. Mais c'est dommage, là, il n'y a pas trop de lumière, en fait, dans la cuisine. Pourtant, c'est ouvert et tout, mais il n'y a pas trop de lumière. C'est dommage, il faut allumer la lumière constamment, même dans la salle de bain, il n'y a aucune lumière. Pourtant, il est 11h. Regardez, il n'y a pas de lumière. Alors qu'il y a une petite fenêtre, je sais pas, ouais, c'est dommage. Et j'ai vu que dans un truc, il y avait le manuel d'instruction. J'ai toujours pas compris hein, comment ça se passait. Moi, j'ai pu faire un café. Et j'ai vu que mes verres étaient assez grands. Donc pour le cappuccino du matin, je pense que ça pourrait le faire en soi. Et du coup, je voulais faire chauffer mon lait. Sauf que bah, je n'ai qu'un four, j'ai pas de micro-ondes. Donc il fallait que je fasse chauffer avec la plaque pour faire un cappuccino, vous savez. Et en fait, faire ça tous les matins, non. Il faudrait que j'achète de la poudre aujourd'hui pour faire mon cappuccino. Et je voulais aussi me faire du jus d'orange pressé parce qu'ici, les oranges sont vraiment très bonnes. Il n'y a pas de presse agrumes non plus. C'est vraiment mal fourni, je trouve, quand même. Et les trucs, vraiment, on s'en bat les couilles, genre... Après, il y a une grande cafetière comme ça, mais... Enfin, par exemple, là, le blender, on s'en bat les couilles, enfin, voilà. Enfin, il aurait peut-être fallu un grille-pain ou il n'y a même pas de grille-pain, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir ce genre de produit de basique. Même un four, enfin, je sais pas si c'est vraiment pas commun en Grèce d'avoir un micro-ondes. Je préfère un micro-ondes qu'un four. Et après t'achètes un truc en plus avec deux plaques. Enfin moi j'avais ça quand j'avais mes premiers apparts, c'est beaucoup plus simple. Pire, je pourrais faire chauffer mon pain là-dedans, mais ouais c'est chiant, ça fait consommer pour rien. Franchement, ça donne bien. Hein. Mais un vrai bol, ça serait cool. J'espère que le lait, il est bon. Bon, il est midi 17, je me suis préparée. Je vous ai fait aussi des stories sur Instagram. Mais c'est pas les mots relents sur mon compte Instagram. J'ai mis mes petites clés Donald. Voilà, sur le porte-clés de la maison. J'ai aussi essayé de me maquiller, du coup, dans la salle de bain. C'était vraiment pas pratique. Donc je pense que je vais installer ça sur le bureau. Bon, je pense pas travailler énormément sur le bureau, je sais pas. Mais au moins, mettre mes affaires, mes cosmétiques et tout. Et je voulais acheter un miroir, qu'on puisse... un tout petit miroir. Mais en fait, sur les palettes, j'avais complètement zappé, mais vous avez un miroir. Donc je pense que je vais utiliser une de mes palettes pour me maquiller le matin, etc. Et sinon, bah, je suis prête. J'ai bien mangé. Voilà, le petit déjeuner était pas mal. Et en fait, je peux pas faire la vaisselle genre tout le temps, parce que c'est ce qui m'a expliqué l'hôte. J'ai que l'eau chaude pendant un certain temps, donc ce serait bien d'utiliser ce temps-là pour faire tout. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire la vaisselle dès que vraiment c'est blindax de ouf et que j'ai plus rien à... Voilà, que j'ai plus rien. J'ai ramené une éponge de chez moi. Par contre, on n'a pas de dégouttoir. C'est vraiment pas pratique, je comprends pas. Déjà, pourquoi on achète ça alors que ça rentre pas là-dedans? Les trucs sont incompréhensibles. Bon, j'ai hâte de tout ranger. J'avais une idée, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il a pas mis un immense miroir style baroque et tout? Là, ça aurait été archi beau. Il l'a pas fait. Oh my god. Donc bon, on va aller à Lidl en espérant que j'y arrive. Alors la lumière, elle est là-bas. J'ai pris aussi ma petite cure, donc de chez Cure. C'est toujours un code promo. Et franchement, je vois une différence, surtout pour la peau. Parce que j'ai un truc qu'une gélule pour les cheveux et la peau. Et pour la peau, franchement, alors que j'ai stressé de ouf, faut savoir comment moi je stresse, j'ai la peau plein de boutons, et bah franchement, ça va, j'ai rien sous le teint, franchement ça va. Donc le programme de la journée, si j'arrive à tout faire, aller à Lidl, faire des courses. J'ai besoin de faire des courses. Ensuite, j'aimerais bien aller me faire les ongles. Faut que j'aille au sud de Athènes, donc ça fait quand même 40 minutes de marche. On va essayer de marcher, et au pire du pire, je prendrai un ticket de métro. Parce que les tickets de métro sont assez chers quand même. Faire mes ongles, peut-être aller dans un autre centre commercial chercher, vous savez, des trucs, voilà, pour me sentir bien, une bougie, un truc à la con. Sinon, en fait, il y a un Ikea à côté, enfin à côté, il faut prendre le bus. Ouais, j'arrête de parler parce qu'il est déjà midi 20, donc let's go. Ça, on n'a pas en France, par exemple, pour les personnes handicapées. C'est super bien, c'est fou, mais c'est super bien. C'est vraiment très très propre. Le parking, il est super bien fait. C'est des couleurs de Lidl et tout, c'est vraiment bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de petits paniers, il n'y a que des gros chariots. C'est exactement comme en France. Là, je me sens chez moi. C'est trop cool. Il y a des croissants et tout. Oh putain, yes. Ah ouais, là, ça va changer ma vie, là. Ah ouais, trop bien. Je suis trop contente. Putain. C'est 20 minutes de marche, mais franchement, ça les vaut. Regardez, les deux avocats bio sont à 2,19€. De base, ça, à Paris, MDR, ça, là, il y en a 3. Je crois pas que ce soit bio celui-là. Ah si, il est bio. Ah ouais, là c'est mon rayon là. Là je suis obligée de trouver du cappuccino. Oh, il y a le cappuccino que je prends en France.
C'est trop bien. Oh là là, ça va sauver ma vie ça. C'est assez drôle parce qu'ils ont plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est pour mettre dans le café. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est trop mime, c'est 75 centimes. Bon, moi j'en ai pas besoin, mais c'est plutôt rigolo. C'est la première fois que je vois des jus de pêche, jus de banane, jus de fraise. C'est trop bien. Je vais peut-être en acheter un pour tester. Enfin, j'espère. Oui, c'est du nectar, de ce que je vois. Trop bien. Bon, je reviens des courses. Alors, je ferai pas ça tout le temps. Non pas parce que c'est loin, mais parce qu'en fait, ça, le chariot que j'ai là, il me nique les mains. Genre mes mains, elles sont abîmées de ouf, là, j'ai trop trop mal. Donc bon, après j'ai pris des trucs qui sont un peu lourds, genre du lait et tout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vous montre à la lumière naturelle, ici ce serait beaucoup mieux. Allez, on se fait un petit spot unboxing. Allez. Waouh, quel spot incroyable, mes cheveux dégueulasses, my god. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, les prix, c'est quasiment les mêmes qu'en France. Il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, il y a des nouveaux produits, genre de la feta, etc. Enfin, tous les produits grecs, il y en a beaucoup plus, mais en grosse quantité. Donc, j'ai pas pu en prendre parce que j'étais déjà chargée. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Donc, j'ai pris des champignons, du pain, voilà, du beurre salé, du maïs. Donc, ça, on peut le retrouver en France, hein, c'est exactement la même. J'ai pris donc deux croissants et un pain au chocolat, des lardons. Alors la viande à Athènes, elle est pas incroyable, faut savoir. Et là en fait il y a beaucoup plus de gras que de viande. Mais bon, je me suis dit je vais faire des pâtes, des pâtes carbonara, etc. Voilà. J'ai pris donc des avocats, des œufs aussi j'en ai pris. C'est pas des numéro 1, ça c'est sûr et certain. Des pâtes, donc je pense que vous allez voir, j'ai pris beaucoup de trucs de pâtes parce que tout simplement je sais pas encore quoi manger. J'ai pas encore pris mes marques, donc j'ai pris des trucs que je connais un petit peu pour manger. J'ai pris des tomates cerises, j'ai pris du cappuccino, donc j'en ai pris à la vanille et en... je sais pas ce que c'est. Donc ça a dilué avec de l'eau, au moins ça c'est cool, c'est 15 grammes pour 150 ml d'eau. On va tester ça maintenant. J'ai pris un concombre, du sel parce que bah il y en a pas. J'ai pris 3 pommes, j'ai pris celle-là de pommes donc... Ensuite j'ai pris des trucs comme ça pour faire des spaghettis bolo, donc de la crème pour faire un spaghetti carbo. Et en fait j'ai pas de micro-ondes, donc je sais pas comment je vais faire sans micro-ondes. J'espère qu'au four ça peut réchauffer un petit peu, enfin je sais pas comment je vais faire. J'ai pris du Nutella pour le matin, c'est un basique avec du pain. J'ai pris donc ça, je sais pas si c'est du jus de fraise hein, mais je suppose que oui, enfin si c'est pas ça je comprends pas. Donc si c'est bon, bah j'en reprendrai parce que c'est 1€ je crois, donc franchement ça va. J'ai pris des lingettes nettoyantes désinfectantes pour le sol, pour tout, les surfaces, etc. Des spaghettis, de la purée aussi. Je me suis dit pourquoi pas tester de la purée, voilà. Et kiwi pour le matin. Et j'ai pris du lait entier. Voilà ce que j'ai pris. Le lait du coup, si j'utilise le cappuccino, j'aurais pas besoin de beaucoup. Alors qu'avant j'en avais besoin hein, beaucoup parce que je faisais le cappuccino directement. Donc voilà tout ce que j'ai pris et j'en ai eu pour 50€. Je trouve ça un peu cher, je sais pas. J'ai pas pris grand chose, c'est des trucs vraiment basiques quoi. Donc je sais pas ce qui m'a vraiment coûté le plus cher là-dedans dans tout ce bordel. Ah oui, il y a le Nutella 3€, après c'est 3€. Donc ouais, ça va vite hein. Ça va quand même vite, mais au moins j'ai des basiques pour pouvoir manger et survivre, entre guillemets. J'ai pas trouvé de yaourt. Faut savoir que moi, je me nourris que de yaourt, de fromage, des choses comme ça, et il n'y en avait pas. Enfin, je savais pas trop ce que c'était, j'étais un peu perdue. Donc je pense que ça va être dur pour moi au niveau des yaourts. Mais bon, faut s'adapter, c'est local, vas-y. Mais c'est vrai que j'ai pas pris de feta. C'est con, hein. On est en Grèce et je prends pas de feta. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Je vais manger un petit coup peut-être. Genre me reposer un petit peu, me poser genre une heure. Oui mon cœur. Donc bon, j'aimerais bien aller aussi faire mes ongles. Donc peut-être qu'à là après cet après-midi je vais aller dans le sud là, d'Athènes à pied pour voir ce que c'est. Parce que vraiment à pied, franchement ça va, ça m'a mis 20 minutes à pied, mais tranquille, hein, franchement ça passe. Hein. Et j'ai vu que mon forfait c'est 25 gigas. Et j'en ai 100 moi de base, donc je sais pas comment ça se passe. Donc quand je suis dehors j'enlève la 4G et quand je suis là j'active le wifi. Si je veux écouter un peu de musique et tout sur la route pour marcher. Voilà, en tout cas ce que j'ai utilisé là dernièrement c'était 47,9 giga quoi. Et à l'étranger 248 MO. Ça va. On va s'activer, on va ranger tout ça. Donc là il est 15h-10, j'ai téléchargé les musiques sur Spotify, donc comme ça je peux les écouter en mode hors connexion. J'ai installé l'endroit pour Prince, alors je vous ai pas montré ça. Il y avait des petites box et tout, donc là j'ai mis un petit plaid, son petit jouet, et il aime beaucoup.
Donc ça c'est cool, il y va. J'ai goûté aussi le jus de fraise, c'était extrêmement dégueulasse. Et le pain au chocolat était vraiment très bon. Donc je suis trop contente, au moins j'aurai des petites viennoiseries tout le matin. À mon cœur. Donc là je vais aller au Shopping Street. Donc il se situe à 40 minutes à pied, sinon après il y a le métro. Mais j'ai envie de faire un petit truc un peu à pied pour visiter la ville. Donc j'ai voilà, tout ça à faire à pied. Et si vraiment je suis fatiguée, bah, je prendrai le métro pour revenir. Mais au moins, voilà, il y a le Shopping Street et à côté, en fait, il y a le truc des ongles. Donc ça, je peux pas me prendre maintenant, au moins... Voilà, je pourrais me balader un petit peu. Il y a un McDo à côté si je veux prendre un cappuccino ou je sais pas quoi. Donc écoutez, let's go. Je vais faire tout ça en musique. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais j'ai fait le trajet pour aller à ma fac. J'ai mis 2 minutes. Ça, c'est extraordinaire. C'est celle-là. Sympa quand même. Et du coup, on a une semaine d'intégration lundi, mais elle nous a pas donné les horaires, elle nous a rien donné comme information. Et comme nous sommes vendredi, j'aimerais bien qu'elle envoie des mails aujourd'hui. En fait, à côté de chez moi, j'ai vraiment beaucoup de trucs. J'ai des coffees, j'ai une boulangerie, une petite halle avec des pizzas, etc. C'est super sympa. J'ai une pensée pour ma soeur parce que c'est la rue attrape touristes. Et vous savez ceux qui ont suivi les vlogs en Crète, là franchement c'était n'importe quoi, on n'arrêtait pas de faire tous les attrape touristes. On a fait vraiment tout, on a pris à chaque fois des magnettes, on avait regardé aussi des statues et tout. Et là c'est la rue attrape touristes. Je viens de faire mes ongles, ça y est. Les gens étaient vraiment trop sympas, après c'est chiant parce qu'ils parlent très très peu anglais, sauf la gérante, elle parlait très bien anglais et elle parlait un petit peu et français. Donc ça c'était vraiment drôle. Donc là, faut que j'aille au Store Street pour... Ah bah je vais dans ce magasin là, je l'ai vu, il était trop mime, c'est le Aragon House. C'est trop sympa, c'est très atypique, c'est trop beau. Et en fait, de ce que je vois, on peut prendre un repas, un café, etc. à côté. Mais ça a l'air hyper clean et les prix sont corrects. Je trouve ça trop beau pour ça par contre. Trop beau. Donc par contre, je commence à avoir très très froid et ça va être l'heure de manger. Donc je vais me prendre un café et je vais me prendre un truc à manger vite fait. Parce qu'ils vendaient des espèces de pita à 3 euros. Je me suis dit pourquoi pas. Genre, regardez l'église, comment elle est trop belle. Oh, c'est magnifique. Donc là, je suis dans la rue. Ah, il y a Bershka. C'est blindé de monde. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens le soir. Il y a un Flying Tiger. Je suis trop contente. J'ai peut-être trouvé un bol. C'est trop mignon. Regardez comment c'est trop chou. C'est trop chou. Oh non, j'ai trop envie de ramener ça à Paris. Ça, c'est vraiment trop mignon, ça aussi. C'est la collection de Pâques. Elle est trop belle. Un truc à eux, là, non, mais c'est vraiment trop chou. Mais ça, c'est vraiment beau. C'est un peu lourd, par contre. Du coup, j'ai vu ces pailles-là et j'ai vu le bol avec l'arc-en-ciel. Mais j'ai pas le prix, je pense que ça doit être 4 euros. Mais 4 euros les pailles, je les trouve pas si cher que ça. Après, il y a des pistas assez sympathiques, mais moi j'aurais des pailles pour. Parce que moi je vends mon cappuccino avec des pailles. Il y a un café, et dans le café, c'est un panda. C'est d'un panda. C'est génial. Bon, je me suis pris un café, il est dégueulasse, bien évidemment. Et ça là, c'est ma fac. Elle est trop belle. Mais c'est incroyable, je suis allée dans le. Dans la boulangerie Bennett qui fait des cappuccinos, des bons cappuccinos, il est dégueulasse. Je viens de rentrer, donc le café vraiment, il est pas très très bon. Hein. Faut vraiment que je trouve un endroit qui fait du café, du bon café. Donc je me suis arrêtée à un truc de supermarché du coin là. J'ai pris des yaourts, je sais pas si la marque Zotys c'est bon. Je sais que j'avais déjà testé pour chocolat vanille avec ma soeur, c'était dégueulasse. On va tester avec les fruits et au cas où, bah, voilà, j'ai pris Alpro. Bon, ça on connaît normalement, c'est bon.
donc chocolat et vanille aussi, et j'ai pris des petits trucs chez Flying Tigers, franchement j'adore, je trouve ça trop beau, donc je vais vous montrer ça dans le salon. Faut que je boive un petit peu d'eau, vous allez me taper, mais oui j'ai bu que ça en deux jours du coup d'eau, il faut que je boive beaucoup plus, faut que j'achète de l'eau bah, assez proche de chez moi parce que c'est très très lourd leur pack d'eau. Donc à Flying Tigers j'ai acheté ça dans mon cœur, mon amour. Donc les petites tailles, donc il y avait celle-là en grand et celle-là aussi en petite, mais j'ai donc pris cette couleur-là en grand, j'ai trouvé vraiment trop belle, c'était 5€, 4€, c'est un peu cher quand même je vous avoue, mais franchement elles sont trop belles et puis je pourrais les prendre pour en France hein, bien évidemment. Je me suis fait un kiff là, vraiment, en fait je me suis dit, il faut que tu te sentes bien et juste ces trucs à la con, ça me fait sentir mieux. Du coup je me suis pris un vase que je prendrai aussi pour la France. Donc c'est un vase à 3€, je crois qu'il m'a coûté. J'adore les bordures, c'est trop trop beau. Donc un petit vase pour mettre des petites fleurs. Maintenant il reste plus qu'à trouver des fleurs. J'ai eu plein de fleuristes mais je trouvais ça un peu cher. Je veux juste acheter 2-3 tulipes moi, des trucs à la con vous savez. Donc ça je vais le garder pour le retour. Mais en fait il y a des potes qui viendront etc. Donc je leur donnerai des choses à chaque fois dans le bagage à main. Comme ça je suis sûre que ça va pas casser. Et puis bah j'étais obligée en fait d'acheter ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça va pas être un bol, vous savez, pour manger du muesli. C'est plus un bol pour manger des pâtes ou des choses comme ça. Je l'adore. Franchement, j'ai trouvé trop beau. Il y avait en plusieurs tailles. Je me suis dit, vas-y, je prends le grand. Il est quand même lourd. C'est des petits trucs à la con comme ça qui me mettent un petit peu mieux. Genre, c'est un peu plus ma décoration. C'est un peu plus chez moi. Et en fait, je reste 5 mois. J'achète des choses qui me font sentir bien et que je pourrais reprendre en France. Donc, je vais pas genre dépenser ici et laisser ça là. Enfin, c'est des trucs que je pourrais réutiliser en France et que je trouve ça joli. Voilà, c'est des petits trucs à la con. Et je suis trop contente. Voilà. Donc demain, je vais aller à Ikea. Parce que j'ai besoin de choses, genre des ciseaux. C'est con, mais Prince, il a des tignons partout. J'ai pas de ciseaux, je pensais qu'il y en aurait là, mais non. Une bougie. Vous savez, des bougies Ikea. C'est con, mais il y a des odeurs comme ça qui me font rappeler la maison. Et c'est vrai que... on n'y pense pas souvent, mais le mal du pays est très important, surtout au début des Erasmus ou des voyages. Si j'avais vécu genre une semaine ici, bon, je m'en fous, mais là c'est quand même 5 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, bah, c'est comme si j'avais fait mon semestre 1 en France, ici, enfin c'est la même chose, donc c'est quand même assez long quand on y pense, 5 mois. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais au début, voilà, je vais rester à la maison, je vais essayer de visiter comme j'ai fait aujourd'hui, genre marcher énormément, genre, je crois que j'ai marché au moins 3 heures aujourd'hui, là, en tout à Athènes. J'ai découvert des petits restaurants sympathiques, j'ai découvert des petites rues vraiment trop mignonnes, des grandes rues aussi. Et vraiment, il y avait pas mal de choses, c'est très beau dans Athènes, vraiment, je trouvais, je pensais pas que ça allait être aussi beau. Mais les toutes petites rues comme ça, avec de la verdure, des lumières de partout, je trouve ça tellement joli. Mais pour l'instant, j'ose pas encore y aller, j'ose pas m'installer en terrasse, j'ose pas pour l'instant, mais c'est normal, ça fait 24 heures que je suis là. Mais au fur et à mesure, bah, tout le mois de mars, j'essaye de m'approprier la ville. Et après, dès mois de mars, je vais commencer les voyages, donc aller visiter les îles, aller peut-être à Rome, etc. Donc je veux que Prince s'habitue un petit peu plus à l'appartement et au fait que je sois un petit peu plus absente, notamment avec mes cours, etc. parce que je vais avoir cours. Alors je pensais vraiment que j'allais galérer au niveau de mon anglais à me faire comprendre, genre que moi j'allais avoir du mal à parler anglais. Au final je trouve que bah, je parle très couramment anglais, donc ça c'est vraiment top. Mais par contre ils parlent très très mal anglais, ils ne comprennent pas ou alors c'est vraiment très compliqué de se comprendre. Notamment pour par exemple le café, ils me disent est-ce que vous voulez du sugar ? Je savais pas ce que c'était le sugar, je savais pas. J'ai commencé à me dire ah putain c'est le sucre. Tu sais la prononciation elle est vraiment compliquée et c'est compliqué de comprendre. Mais on y arrive. En fait ça me fait paniquer dans le sens où les profs que je vais avoir ils vont parler anglais. Donc normalement ils parlent couramment, mais s'ils ont un accent, genre par exemple pour dire sucre, ils disent sugar, je vais pas comprendre tout le temps, tu vois, donc c'est ça qui me fait un petit peu paniquer. On ne va pas angoisser. Ce soir je voulais me prendre un truc sur la route, mais au final j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc je vais manger le restant de mes pâtes, ou je sais pas, en tout cas la con. Et je vais surtout passer la serpillière, enfin le Swiffer, surtout en dessous de l'île, c'est dégueulasse en dessous de l'île, je sais pas. Donc passer un petit coup partout, désinfecter un petit peu partout les toilettes, la baignoire, etc. Je vais tout faire là ce soir, comme ça je vais commencer à installer mes affaires et je vous montrerai demain ce que ça donne. Et j'ai fait mes ongles du coup, donc c'est comme ça. Alors c'est pas cher le nail art, c'est 4€, franchement c'est pas cher pour tout ça. Alors c'est pas du tout symétrique, voilà, faut pas demander la lune non plus, c'est pas du tout symétrique, mais c'est pas grave. Le pouce là s'est dit tiens je vais faire un petit truc, bon j'aime pas trop mais c'est pas grave. Et celui-là j'aime beaucoup, donc c'est fait au chablon. Alors le chablon je suis pas très fan de base parce que bah moi j'ai les ongles très très courts, ils étaient très très courts et elle a réussi quand même à me le faire. Et j'aime pas le chablon parce que souvent les ongles partent vers le haut et ça j'aime pas, mais là, là ça va. Enfin ça se voit que c'est fake mais franchement ça va. 50€ c'est vraiment cher je trouve, par contre c'est quasiment le même prix qu'à Paris.
Oh, ils sont vénères là. Bah oui, mon chat, c'est quoi? Donc c'est 50 euros que j'ai payé, donc les prix moyens à Athènes de ce que j'ai vu, j'en ai vu beaucoup, hein, des trucs comme ça. Entre 35 et 60 euros de ce que j'ai vu. C'est très très cher, je pensais beaucoup moins cher. Putain, j'ai le mot en anglais, j'ai plus le mot en français. Le refill, le remplissage. Le remplissage est à 35 euros. Donc c'est quand même, je pensais moins cher, mais non. C'est au chablon, du coup c'est pas forcément la même chose partout, mais bon, au moins j'ai des ongles et j'arrêterai de me les ronger, parce que vraiment quand je me les ronge, j'ai super mal. Donc elle m'a dit de faire attention pendant les prochaines 24 heures, de faire attention, etc. Et pendant 2 semaines aussi faire attention. Elle m'a fait saigner je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, j'avais du sang partout dans tous les doigts, parce que bah avec la lime, le coupon, etc., bah ça enlève de la peau. À Paris j'ai pas ce problème. Mais bon, vas-y, on est à Athènes, on va pas se plaindre. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog Erasmus. Bye bye!